naturel un petit peu, c'est une joie immense, vous avez explosé à la fin. Quels sont les sentiments un peu après cette rencontre? Bon, on a fait deux les dernières 10 minutes, et après les dernières, je sais pas combien de temps de jeu ils ont fait là à la fin, je crois 10-15 fois, donc on a fait bien de plaquer, de continuer, de bosser, parce qu'on a beaucoup d'envie de parler de lâcher rien. Je crois qu'on a fait ça et ça a amené la victoire. Ton rôle justement de numéro 10, un regard un petit peu sur l'animation offensive, la redistribution, c'était ton travail de début de semaine. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Bon, je crois qu'on a bossé toute la semaine sur le, comme vous avez dit, sur le travail offensif. On a commencé, c'est ça, et on est loin de parfait, mais on a vu déjà le mouvement, on a déjà vu les bonnes choses ce soir, mais bien sûr, on a beaucoup de plus de bosser et beaucoup d'améliorer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut améliorer justement? Bon, en fait, on a cherché de bosser dans les blocs de jeu et de chercher d'ouvrir de l'espace pour les 3K pour jouer. Et je crois que c'est plus difficile dans le match, bien sûr, que les entraînements parce qu'on a plus d'investissement dans les racks et comme ça. Mais si on peut retrouver la confiance et on peut avoir la confiance sur le rack avec 3 ou 4 joueurs, je crois qu'on peut toujours améliorer. Je voulais parler de ton cas personnel. Oui. Tu as eu quelques difficultés avant cette rencontre. Après. Tu étais relancé aujourd'hui. Comment tu analyses? Est-ce que tu sens que tu étais moins bien avant? Tu te sens mieux? Bon, j'ai. En fait, c'est un peu que je ne jouais pas titulaire. Donc, j'ai besoin de retrouver ma confiance. Je crois que j'ai fait les bonnes choses, j'ai fait les mauvaises choses. Mais c'est un début. Il faut recommencer. On a recommencé comme une équipe avec une victoire aujourd'hui. Et personnellement, j'essaie de faire la même chose. Tu te sens mieux sur cette rencontre un petit peu? Ça commence à revenir? Oui, je crois qu'avec le travail offensif, on a eu une redistribution, soit en attaque et en défense, beaucoup mieux que bien sûr que le début d'année. Donc avec ça, c'est plus facile pour les joueurs clés comme le 9, le 10, aussi le 12 de gérer un peu le match. Et avec ça, on va devoir des options partout. Et si on peut faire les bons choix dans le match, et ça va amener plus de victoires comme aujourd'hui.